manager, si, manager, ça, tous les jours, les gars, je suis au boulot, hein. Tout le temps, je suis au boulot. Même là, là, vous croyez quoi? Là, je suis au boulot, là, hein. Je suis au boulot, bordel de merde. Bon, t'as arrêté de m'appeler, il y en a, ils travaillent. Ok. Donc là, semaine 4, les gars. On ressemble à ça. Et honnêtement, je me sens très très bien. Je vous avais dit que j'avais quelques boutons au niveau du visage, au niveau du dos, qui apparaissaient. Là, plus rien. C'est, y a absolument plus rien maintenant. Petit bémol cette semaine, je n'ai pas pris de poids comparé à la semaine dernière. Déjà parce que j'étais en festival ce week-end. J'ai énormément marché, c'était fatigant. Beaucoup de chaleur, j'étais en déficit ce week-end, donc... Ouais, petit écart de ma part, ça va être, je pense, le seul. Je pensais que j'allais gérer ça, mais en fait, pas du tout. En tout cas, là, on reste focus, dédié à notre quête, dédié à notre aventure, hein, parce que on arrive bientôt à la moitié. On a pris, depuis le début, quand même, 6 kilos. Donc, 6 kilos en 4 semaines, c'est pas rien, même si c'est de la... Comme je vous avais dit, j'avais perdu des kilos, donc il y a beaucoup de mémoire musculaire, mais 82 kilos... je pense même, j'ai dépassé 82,5. Je n'ai jamais été aussi lourd, hein, que ce soit à jeun, que ce soit pas à jeun. Je n'ai jamais été aussi lourd et aussi sec. Il y avait des frérots qui m'ont demandé la skincare. Donc la skincare, les gars, c'est, je me suis vraiment attardé sur le sujet au max. C'est d'ailleurs ma copine qui m'a conseillé tout ça là, pour mon type de peau et tout. D'ailleurs, ça ne sert à rien de copier exactement la même skincare que moi, vu que enfin j'ai une peau et vous en avez certainement... une autre. Donc je prends ça en nettoyant avant toute chose. Donc je me passe de l'eau sur le visage et je prends du Purity Salicylic Acid Cleansing Gel. Donc c'est un nettoyant. Ensuite un sérum. Et là de ce côté j'ai quelques petites traces rouges, quelques petites cicatrices de boutons. Même si j'ai jamais eu d'acné, je me suis toujours percé les boutons au visage. Ne faites pas ça d'ailleurs, hein. Grave erreur. Moi j'ai toujours fait ça à 16 ans, 17 ans, mais... faut pas faire ça. Donc ça, sérum pour calmer un peu les marques. Et un hydratant à base de... à base d'escargot. Et... ouais. Ma peau, j'utilise cette skincare bien avant que je commence les trucs. J'ai quand même vu une différence, même en étant naturel, sur l'éclat de ma peau. Donc super efficace. Si vous voulez une skincare, renseignez-vous sur votre type de peau. Renseignez-vous sur ce qu'il vous faut. Renseignez-vous sur vos problèmes, si vous avez de l'acné, si vous avez une peau sèche, une peau grasse. Et prenez en compte votre budget. Et avant toute chose, si vous voulez de l'efficace, prenez du coréen, skincare coréenne. Les coréens, ils ont des peaux de malade mentale et ils font les meilleurs produits. Donc tout ça là, tout ce que vous voyez là, c'est de la skincare coréenne. Voilà. Donc voilà, skincare coréenne les gars. Donc aujourd'hui, on va faire un petit training. D'ailleurs, Sam Sulek, les gars, d'ailleurs, avant de me préparer pour aller à la salle. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'adore son contenu. Bref, aujourd'hui, on va faire un petit training pec. Je vous dis à tout de suite. Là, je vais aller faire ma skincare, bouffer et m'habiller. Tu connais. Prêt pour le chest day, mec? Pré-workout. Big chest day. Toi, t'étais où? On t'a pas vu depuis... on t'a pas beaucoup vu, hein. Moi, gros, j'étais occupé, j'avais des choses à faire. Il a disparu. Trois mois sans être là dans les vidéos. Tu faisais quoi? J'avais des choses à faire. Ouais? Ouais. Des petites choses. Ouais, des choses. Ouais. J'étais occupé. Et toi, t'as fait quoi de beau? Est-ce que tu peux nous montrer ta photo? Parce que tu étais aux Ardentes. Je te coupe, hein. Tu étais aux Ardentes. Oui. 4 jours. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont reconnu, donc ouais. Déjà très très cool. Ouais. Franchement, merci à vous, c'était génial. Il s'est passé qu'on a fait des conneries au niveau de la diète. Ouais, les gars, si vous avez rencontré Yas aux Ardentes, hein, d'ailleurs, coucou hein, si vous regardez la vidéo, mais sachez que Yas était sous absolument tout. Kétamine. Non, il ment. MDMA. Non, j'avais de la... Cocaïne. T'avais absolument gros, tout. Gros, je serais même pas, donc, je serais même est, pas là. S'il était un peu là, bizarre. Là, je serais 6 pieds sous terre, gros. S'il était un peu bizarre, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Non, j'étais sous poulet coréen, gros. Ouais, du coup, comment ça se fait? T'as pris combien de kilos là? Je préfère pas en parler, hein. Là, j'ai fait de la rétention d'eau à mort. Pendant 4 jours, j'ai un peu lâché, etc. Ouais. Voilà, c'était les vacances, c'était ma semaine de vacances. Mm. Donc, ça fait plaisir. Et j'ai pris au moins 7 kilos d'eau en 5 jours. 7 kilos, je sais pas si vous vous rendez compte. T'as une photo? Hey, il va faire un TikTok. Non. Comment prendre 7 kilos en 4 jours? Les gens, ça va dire, ouais, il s'est chargé. Il s'est chargé. En vrai, je mens pas, je peux pas vous montrer ça. Je peux pas vous montrer ça. Même en TikTok, tu vas pas faire non, un TikTok.
Il y a moyen que je fasse un TikTok, etc. Ouais. Mais là, aujourd'hui, vous verrez pas mon physique. Pas un cover. Okay. Pendant 20 jours. Et moi qui mange absolument très peu et qui perd genre même pas un jour. Ah, c'est ça. C'est la génétique. C'est la génétique. Après, c'était mon premier festival, hein. Franchement, on était mal préparé. Ouais. On était mal préparé. Déjà, les tentes, frère. Ah, on a sous-estimé. On a sous-estimé. Jamais, hein. Première expérience, ça m'a tapé. Franchement, confort horrible. La tente, il faisait 45 degrés. On a mal mangé, on a mal dormi. Après, le festival était super cool. Playboy Carty, c'était incroyable. Playboy Carty, ma gueule. Incroyable, il y avait Travis. Oh putain. Je suis allé voir This Is, il y avait Mena Santana, Caris. Franchement, c'était un délire. Insane. C'était insane. Je vais lui préparer sa petite crème de riz là. Tu veux un truc, toi? Crème de riz? Tu veux une petite crème de riz? On va préparer ça pour les boys. Je suis un peu. Crème de riz, ouais. Je suis un peu la femme au foyer ici, là. Lol. Fais ça fast. Ça va, t'es. Quoi? Fais ça fast. Oh! Fais ça fast. Ouais. Bah dépêche-toi là. Eh bien, bien servi, y'aurait pas trop d'eau. Putain. Alors. Ouais, du coup. Comment ça, gros? Ah, tu filmes là? Non, non. Non. Eh, vous avez tous vu un fragment délire. Des vitamines. Un fragment délire. Non, c'est les oméga 3, gros. Oh. Non, c'est des vitamines. Moi, j'en prends. Les gars, c'est des vitamines. C'est pas des vitamines, ça, je te le dis, poteau. C'est des vitamines, gros, qu'est-ce que tu racontes? J'ai manipulé, genre, ça y est, je suis coupable. Mais c'est pris la main dans le sac. C'est des vitamines, les gars, c'est des vitamines. Ouais. Ah, c'est des vitamines comme ça, moi j'en veux. Hein. Si c'est prescrit par le médecin, j'en veux. Hein. Tu sais quoi, je suis assez vitaminé, moi, tranquille. Ouais. Moi je vais rester je reste chez Nutrimus pour les vitamines. Nutrimus, c'est tout. Ouais, moi, Nutrimus, les gars. Pour les vitamines, c'est tout. Eh, j'ai une prescription. J'ai une prescription, c'est lui, il me l'a fait. Après, poteau, tu veux goûter? Oh, c'est sur Dieu. Ouais, non, il me faut. Non, j'ai besoin. T'as mis quoi dans sa crème de riz là? T'inquiète. Oui, c'est des grumeaux de whey. J'ai mal mélangé. Moi j'ai pas de grumeaux, moi c'est bien lisse. Moi tu sais ce que tu connais, il a un peu fait avec la merde là qui traînait. Avec le fond du pot. La whey un peu dégueulasse là qui a séché. Laisse tomber, gros. Vous avez bien mangé? Yes. T'as kiffé? Let's go, boy. T'as kiffé? Oui. Comment ne pas kiffer la crème de riz Nutribus et la whey? Oui. Combo gagnant. Pré-workout. Code NN, tu es tiré du bas, ça existe. Le mec, les était bloqué en 2020, quoi. Mais tu sais que. Full nostalgie, hein. Ouais. Full nostalgie, par contre, tu sais que en DM, on me demande toujours: ouais, ton code il marche pas, c'est quoi le code? Y'a plus les codes. Y'a plus de code depuis. Y'a plus de code. Depuis février, terminé, mon gars. Depuis mars. Terminé. C'est fini. On me demande c'est encore. Fini. C'est fini. NN tiré du bas, ça existe, que j'ai appris à dire en moins d'une seconde. Malheureusement. NN tiré du bas, ça existe. Tu vois? Eh, j'ai travaillé, hein. Le con. Faut prendre le prix, les gars. Vous avez vos shakers? On prend du prix là? Ouais. Ah, j'ai monster pas, hein. Ah non, tu vas prendre le double, toi. Blood and Guts spray. Je prends pas le double. Non, en vrai. On prend du Blood and Guts. Non, en vrai, non. Pas de citrulline, pas de glee. J'ai citrulline glee. Non. Ah, ok. En vrai, j'avais fait la dernière fois avec Saex. Non, mais j'avais fait la dernière fois avec Saex. Blood and Guts plus Monster. Faites pas. Franchement, je refais plus. Moi, j'ai pas fait. Pas. Toi, t'as fait. Ah, je te dis, franchement, je referais plus. Non, les palpitations à la fin, c'était. Une seule fois, j'ai pris Total War Monster, j'ai regretté, frère. Ouais, non. Non, faut la fin, t'as plus d'âme. Non, faut pas faire le combo. Ouais, c'est. Non, en vrai. Si c'est du pré, prenez avec de l'eau. Voilà, c'est ça. Si c'est du pré qui est bien dosé, si c'est du caviar, normalement, t'as juste besoin de prendre de l'eau. Si tu c'est vois. Du poulet, tu prends que avec de ouais, l'eau. Ouais, c'est du caviar. Ah ouais, c'est un point, tu vois, c'est bon. Non, mais là, ouais, non, faut pas doser. Y'a pas de cul. Les gars, vous connaissez déjà mon combo. Ça va être citrulline, glycérol, créatine, cluster dextrine. Pourquoi tu prends ta créa en pré-workout? Je préfère ainsi. Y'a quoi? C'est hypoglycémiant. J'ai mangé full glucides et en plus j'ai du cluster. Oui, mais ça va quand même faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Eh, de toute façon, je suis chargé que j'en ai à branler. Oui, non, c'est vrai que. Ouais. Mais c'est mieux d'éloigner la Le frérot, il me parle de l'hypoglycémie à cause de la créatine, sachant que j'ai plusieurs molécules dans mon corps qui font que. T'as les molécules, genre. Non, prenez votre créa, après l'entraînement, continue avec du sucre, hein. Pédé, bah c'est pour ça que t'es skinny. C'est vrai, je suis skinny. Prenez à la base. Ouais. C'est reste débloqué, là. Le cirque. C'est reste débloqué, là. Je suis obligé de mettre le dos, hein. Non. Ah ouais, oh non. Oh non, putain. Non, mais c'est trop chelou. Qu'est-ce que vous êtes en train de filmer? Qu'est-ce que vous êtes en train de filmer, là? C'est trop, là, c'est trop. Prends ton prix, c'est tout. Prends le prix. Ah, les archives sont légendaires. Ok, les gars, on se retrouve à la salle. On a retrouvé Marcus Kellem. Juste vite fait, Marcus. Attends, on va juste faire des squats. Je te filme squat. Voilà. Ouais, on voit bien les jambes là. C'est pas mal là, tu kiffes? Ouais. Juste ajouter le sur Snap que les meufs. Que les meufs, les gars. Que les meufs, QLM. Uniquement les meufs. Marcus QLM. Voilà. Il a un projet. Bon, par contre,
Les gars, je me sens extrêmement bien là. Là, j'ai pris les trucs, j'ai pris les choses. C'est là, on est prêt pour faire la guerre. Mais avant toute chose, je reçois plein de DM et tout, et plein de, je vois plein de commentaires en mode « Ouais, moi aussi je veux me charger, moi aussi je veux faire comme ça avec, c'est tout. » On dirait des gens, ils prennent de l'inspiration à ça, alors que je fais pas ça vraiment pour faire l'apologie de quoi que ce soit ou pour inspirer les autres à faire des trucs comme ça. C'est juste que je fais moi et je documente ça en fait, parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Et je trouve ça dommage, moi je trouve ça intéressant, même si voilà. Mais mon but, c'est clairement pas de vous dire de le faire. Moi j'ai à gagner parce que c'est ma, enfin je gagne ma vie ainsi. Mais vous, enfin vous avez absolument rien à gagner. C'est... Faites ce que vous voulez, hein. Vous faites ce que vous voulez. Après je suis pas votre daron, je vous dis de pas faire ça, mais il y aura toujours des abrutis qui vont dire ah mais ça, ça beaucoup, moi je vais faire, tu vois. Saïk s'est fait ça, moi aussi je vais faire ça. C'est pas rentable, croyez-moi. Mais enfin, il y a toujours des débiles comme ça. Genre, vous êtes des abrutis, tous ceux qui font ça, tous ceux qui à cause de moi vont faire ça, vous êtes des abrutis, sachez-le. Faites-le si vous voulez, hein. Moi je mange. Je suis pas votre daron, je suis pas. Voilà. Mais retenez bien que, enfin, vous êtes cons. Voilà. Cela dit, là, j'ai toute cette merde dans mon système là. Je compte bien l'utiliser à bon escient. Et là, on est vite parti là pour la séance Chess Day, la meilleure séance de la semaine. Gros, là, je suis prêt, voilà. Là, je suis prêt à mourir. Ah non, là, il est déterminé, il a un objectif. Un projet, une mission, un périple, une odyssée, un livre à écrire, un conte. Ah non, là, je suis trop prêt. Combien là ? C'est 120. Ouais. On va essayer de faire 3 reps déjà à 120, c'était pas mal. Tu veux mettre combien ? 20, je crois. Ouais. Enfin 20, 10. Oui, voilà. Ensuite 10. 60 à 120. J'ai les ongles longs ou pas? Ils sont pas longs, c'est un ouf! Non mais ils sont bien durs! Collagène ça, Nutrimuscle! À 100 ? À 100, ouais. Tu sous-estimes, hein. 100 kilos là ? Respiration tout rouge. Ouais. Hey, les gars, ne faites pas ce qu'il fait. Ça te crame au moment de rêve. Ne faites pas ce qu'il fait. Si. Hein. Non, si je te jure. Souffler, c'est important. Souffler, tu perds ton gainage. Ouais, tu sais que. Non, nique ta mère. À chaque fois ta respiration. Mais ça se fait naturellement.
Le gainage en bench, c'est pas plus important de rester comme ça, je crois. Si, ouais, mais c'est ça quand t'as le gainage. Après, tu peux brace aussi. Vite fait. J'avais dit 2-3, ça va, ça va. La fois que j'ai fait du benchmark, c'était il y a un mois et demi, deux mois, je crois. C'est ok, c'est ok. La dernière fois que j'en ai fait, c'était quand on a fait la vidéo. La première semaine. On est passé de 8 reps à 100 en top 7 à là 5 reps à 120 en 4 semaines. C'est correct. Oui, oui. C'est très correct, c'est ça correct. Nous rend très très bon. Même si, enfin, c'est pas une priorité pour moi le bar. Genre, je m'intéresse plus à high show en halter plutôt qu'en bas. Mais bon, c'est toujours cool de voir un peu la progression là-dessus. Surtout que j'ai un bon pump quand même en bas. Je pense facilement à mes exos préférés pour moi. De série où tu ressors, tout va bien, tu reprends le kit. Ça va être RPE10, Dorian Yates, Blood and Blood. What?
rattrape le retard. Là, en fait, Regarde, vas-y, on va voir. C'est moi ? Les veines triceps qui montent de 7 au biceps. Quoi ? La longue portion a une longue portion. Ouais. Ouais. Quoi ? La longue portion a une longue portion. La longue portion a une longue portion. Comment ça ? Mais c'est ça, ça a toujours été, non ? Ça a toujours été, mais là c'est plus genre. Je t'ai dit que t'as pris les bras. J'ai toujours le même tour de bras ? J'avoue le triceps, j'avoue le triceps. Après, crack. Ouais, mais il fait pec là, il fait pas bras. Hein. Bah, ouais. Après, j'utilise triceps. Et j'ai en vidéotape en fait. Hein ? Temps de repos. Oh. reste pause. Quand, genre, mais comme ça, petite vidéo YouTube. Très LGBT. La mise est posée là. Bon. Non, on tourne la suite de la vidéo sur PH. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo Chess Day. Laissez un like pour l'algorithme, un commentaire aussi, même si c'est n'importe quoi, même si vous voulez m'insulter, allez-y. Genre, c'est. Allez-y. Je vous laisse carte blanche. Abonnez-vous et semaine 5. Semaine 5, il y a un truc spécial. Semaine 5, on va faire. Un très spécial, j'en dis pas plus, mais rendez-vous semaine prochaine, semaine 5. Il a déjà oublié, lui.